Il n'y aura pas de date. Si vous n'êtes pas là, c'est forfait. Ça, c'est clair et net. Et après, après ce tour, normalement, il y aura 6 à 8 équipes. Alors, 2 qualifiés, d'accord, parce qu'on va faire 3 sites. Donc là, pour l'instant, on est sur 2 qualifiés par site. J'ai une réunion le 5 pour bien clarifier les choses. Mais notez le calendrier, c'est le 8 janvier. Et il y aura une finale régionale le 12 février. OK. Au sein du district, pour l'instant, on est 5 équipes engagées. Sporting Club de Toulon, La Seine, Le Tef, Roc Baron et Draguignan. OK. Cet après-midi, l'objectif, c'est avant d'aller sur Challenge National, c'est vraiment pour préparer. D'accord. Donc, même si on sera adversaire cet après-midi sur les autres plateaux, l'état d'esprit, OK, on va arbitrer. D'accord, on est avec Pierre. D'accord. OK, donc beaucoup de fair play, jouez, faites-vous plaisir. D'accord. Ça, c'est la première chose, c'est l'état d'esprit. OK, parce qu'en plus, juste par rapport au fait que le Challenge National, vous savez que c'est en fin d'année, on attend une validation du comité de direction de la Fédération française de football. Mais normalement, il y a création de l'équipe de France FFF, et ce sera la seule reconnue équipe de France. D'accord ? Parce qu'on sait qu'il y a des équipes de France qui se créent un peu de partout. Hein. Ce sera la seule reconnue au niveau européen, au niveau de la FIFA. D'accord ? Donc elle se mettra en place en fin de saison avec des objectifs de participer au premier Euro à l'Euro qui va avoir lieu en 2024, parce qu'on souhaite être, on pense être invité. Et à travers ces challenges, ben, on va observer les joueuses pour un premier groupe, un premier rassemblement fin juin, au mois de juin. D'accord ? Donc saisissez l'opportunité. Ça peut toujours être intéressant de pouvoir être dans le premier groupe France officiel de la FFF. OK. Donc ensuite, on souhaite aussi mettre avec les collègues des interligues, faire des rassemblements avec les meilleures joueuses de chaque ligne. Donc, et moi, je serai la référente au niveau de la Méditerranée. Donc je mettrai en place des rassemblements pour regrouper les meilleures joueuses de la Ligue Méditerranée. OK. Donc cet après-midi, je suis à la fois à TEF, mais je suis aussi Ligue Méditerranée pour commencer à repérer les profils. OK. Et du coup, tu reprends aussi double licence ? Oui, il y a double licence. Si, on accepte une double licence. C'est libre et. Le Challenge National est licence libre et pour ça. Donc nous, on peut jouer avec la MF et avec la FSF. Alors ça sera. C'est ça la truc. Ah, alors pour le challenge, pas de soucis. Après, nous on a dit, pour être clair et précis, pour faire un choix. Si vous voulez être parmi l'équipe de France, bah, faut pas aller dans les autres. Ouais. Ouais, mais c'est pas la fédé. Donc après, peut-être que vous serez. Bah, si vous à un moment vous avez un choix, t'es un bon profil, on te dit il y a l'équipe de France FFF, nous on va pas accepter que tu ailles dans l'équipe de France. Ça c'est clair net. Ok, je vous laisse vous échauffer, on démarre dans 10 minutes. C'est pas moi qui décide, je t'arrange. 10 minutes à courir là-bas. Protège ça.